je t'en supplie. Je t'en prie. C'est très difficile pour un vieux comme moi de supporter. Je ne serai pas à mesure de donner de zinienne pour la fête du roi. Je n'en ai même pas pour nourrir ma famille. Pour combien de temps de voir le peuple de mourir, de les donner. Dis au roi que le peuple de mourir est en train de souffrir sous ces chaînes en fer. Mes mains sont liées. Les commandements du roi doivent être obéis. Par conséquent, alors, délie tes mains. Nous avons juré fidélité au roi et nous sommes obligés de l'obéir. Le roi ne vit pas ici. Oui. Il ne connaît pas le temps que ça demande de s'aimer et de récolter. Il est de ton devoir de lui dire de pas tuer la poule qui donne des œufs en or. Il m'est difficile de l'admettre, mais le vieux a raison. Oui, exact. Nous ne pouvons pas nous asseoir et laisser le roi piller notre peuple. Ça fait la deuxième fois qu'Ofala enrichit Eneye aux dépens des peuples de Omore. Le village de Omore doit produire leurs ignames, leurs manioc et leurs épices plus que tout autre village dans ce royaume. Ceci doit stopper. Ça doit stopper. Un vieillard ne reste pas assis. Quand la chèvre est en train de mettre bas, Gideofor, tu es le hobby de Umori. Que vas-tu faire à ce sujet? Je vais confronter le roi. Non, s'il te plaît, si tu essayes de le confronter, il pourrait penser que tu défies son autorité. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je pense que... Les Umoriens sont fatigués et ce n'est qu'une question de temps. Ils se rebelleront contre le roi. Ce ne serait pas de leur faute s'ils se comportaient ainsi. Papa, qu'est-ce qui va arriver si Umore se rebelle contre le roi et se décide de se battre pour un royaume indépendant, pour eux-mêmes? Notana, Umore et Obiago sont les piliers jumeaux qui soutiennent le royaume de Okotchili. L'un ne peut pas tenir sans l'autre. Comment est-ce ainsi? Omore est béni avec des terres fertiles qui produisent des ignames, des maniocs qui soutiennent le royaume. Alors que Obiago a des féroces guerriers qui protègent le royaume contre les envahisseurs de l'extérieur. Papa, est-ce vrai que le roi est un fou joyeux? Qui t'a dit ça? Je l'ai entendu de chez le père de Onduka. Il a dit que le roi est un fou joyeux, qui ne sait pas comment gouverner. Lutana, écoute-moi. Ne le dis plus encore en public. Ijaware, laisse-le tranquille. Le roi est un soulard. De toute façon, je m'en vais le confronter demain. Gideofor. Arrête de
me suivre comme ça. Pourquoi tu me suis tout le temps? Ma princesse, je suis là pour vous protéger. Me protéger de qui? Suis-je en danger? Vous êtes la princesse. C'est mon devoir de vous protéger. Tu as raison, je suis la princesse. Et en tant que la princesse, je t'ordonne de ne plus me suivre. Le roi m'a donné des ordres. Et ses ordres sont supérieurs aux vôtres. Oh, Seigneur. Bon, ok. Si tu n'arrêtes pas de me suivre comme ça, j'irai dire à ton roi, qui s'avère être mon père, que tu m'as touché. Tu sais ce que ça veut dire? Tu seras pendu. Fais ton choix. Nous sommes assis ici depuis le matin. Qu'est-ce qui est si important pour le roi et il nous fait attendre comme ça? C'est quoi? Va me chercher ma goutte d'arvin dans ma buvette. À vos ordres, mon roi. Bon vin de palme. Très bon. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. J'étais occupé par une question urgente dans ma chambre. Oh non, quel est l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui? Votre Majesté, tout ce que vous avez dit pour votre Fala. Très bien. Nous allons avoir une compétition de lutte ces jours. Oh, vraiment? Oui. Et nous allons avoir les combattants, je vais dire tous les combattants que nous avons dans ce royaume. Dans les 5 villages qui constituent notre royaume. C'est très bien. Mais aussi en ces jours, nos jeunes filles qui viendront des 5 villages vont danser devant vous. Et nous allons voir le belle fille que nous avons magnifique. Dans notre les royaume. Jeunes filles. Mais aussi, nous suivrons aussi la parade de magnifiques et merveilleux de nos mascottes d'Agaba. Oui. Ça va faire 10 ans qu'on n'a pas regardé de tels spectacles. Oui, ça fait déjà 10 ans que nous n'avons pas encore vu ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien. Oui, mais nous n'avons qu'un seul problème auquel nous faisons face maintenant. Et qu'est-ce que cela pourrait être? Votre Majesté, c'est les 400 ignames que nous attendions, qui nous ont été promis par le village des Umori. Jusque maintenant, ils n'ont pas encore emmené. Dis donc, Pourquoi c'est ainsi? Votre Majesté, nous n'avons pas fait une telle promesse. Écoute-moi, Jidofo. Tu te tiendras debout chaque fois que tu me parles ou tu me réponds. D'accord. Votre Majesté. Et voudrais-tu commencer par t'excuser? Je suis désolé, Votre Majesté.
Seulement que le village de Mouri n'est pas capable de donner qu'à 100 tubercules d'igname. D'ailleurs, de par le passé, nous avions donné plus que tous les autres villages. Présentement, nous n'avons plus assez pour donner. J'en ai terminé. Garde! Oui, votre majesté. Laissez-nous seuls. À vos ordres. Kalo! Votre majesté. Qui est-il pour me défier comme ça? Je répète, qui est-il pour me défier? Votre majesté, je crois que depuis qu'on a fait de lui les hobbies de Omori, il se voit maintenant comme si il avait la même position que toi. Je veux dire qu'il pense qu'il est ton égal. Oh! Tu veux dire il se voit comme un roi? Oui. Mais ça c'est une trahison. Et si c'est vrai, il va payer avec son sang. Je partage ton avis. Regarde, votre majesté, si tu le laisses comme ça sans être puni, certainement, j'ai dit, tous les chefs supérieurs vont maintenant te voir comme un roi faible. Tu sais que je ne suis pas un roi faible. Oui, je sais. Oh non, tu sais que je ne suis pas un roi faible. Oui, votre majesté, c'est la raison pour laquelle je veux que Judofo soit mis à mort. Votre majesté, oui. N'oubliez pas que Judofo est un bon homme. Madoka, votre majesté, le moment est venu pour toi de choisir le camp auquel tu appartiendras. Et je veux que tu le fasses très prudemment. Pense soigneusement avant de choisir le camp auquel tu appartiendras. Soit tu es de mon côté, moi le roi, ou du côté de Judofo, le traître. Votre majesté, je n'ai même pas pensé là-dessus. Je vous choisis, croyez-moi. Très bien. Nous devons être intelligents, quel que soit ce que nous voulons faire. Si Judofo entre en connaissance même avec un peu de ce que nous voulons faire, votre majesté, il va nous créer un sérieux problème. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu me suggères de faire? Votre Majesté, je veux que tu lui envoies un message. Lui disant que tu veux lui ajouter un titre additionnel. Et cela lui rendra heureux. Il va sûrement te répondre. Alors quand il sera en train de venir à l'endroit destiné, nous allons créer un piège et les tuerons. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Oui. Tu sais quoi, Kalo? Établis immédiatement un plan pour ça. Je vais faire ça immédiatement. Je le ferai. Ça ne va pas me prendre du temps. Ok, Kalo. Votre Majesté. Tu m'as été un fidèle serviteur. Merci, Votre Majesté. Comment puis-je t'apprécier pour ta fidélité? Votre Majesté, je ne fais rien pour avoir une récompense. Je le fais juste de bon cœur. Oh non, écoute. Oh non. Je ne suis pas roi assis sur ce trône. Pour rien. Je suis roi assis sur ce trône à cause de ma sagesse. Cela est vrai. Tout homme désire avoir quelque chose. Et je sais que tu es très ambitieux. Donc dis-moi, laisse tout de côté et dis-moi, que veux-tu? Votre Majesté, bien, si tu insistes, je veux juste une chose. Vas-y, Ono. Que tu puisses donner ta fille Golibé à mon fils ou apaisé. Tu vois ce que je dis? J'ai le pressentiment que tu cherchais quelque chose dans ma maison. Je le savais. Sagesse.
pour ta fidélité, pour moi et pour ma famille, considère-le que c'est fait. Hein? Votre Majesté! Votre Majesté, merci, merci Votre Majesté. Je veux dire, qu'est-ce que je suis content. Je vous salue, mon père. D'où viens-tu, toute seule? J'étais allée à la maison de Kema. Sa maman est malade. C'est la raison pour laquelle tu as demandé au garde à qui je t'ai confié de retourner au palais? Père, je suis fatiguée d'avoir ce garde qui me suit partout où je vais. Comme si j'étais encore un bébé. Tu es une princesse, pour l'amour du ciel, et la future reine de ce royaume. Et tu dois commencer à respecter ce titre. Père, je sais tout cela. Parfois, je souhaite que ta mère soit vivante. Je souhaite vraiment que ta mère soit vivante. Elle aurait été celle qui t'éduquerait et te dirait quoi faire. Père, je suis assez grand pour prendre soin de moi. Veuillez m'excuser. Il y a une chose que je veux que tu connaisses à propos de ton père. Mon père, ton grand-père, était juste un simple cultivateur qui n'avait rien. Il est mort et il ne m'a rien laissé, si ce n'est un morceau de terre. Je viens de nulle part pour devenir le premier ministre traditionnel de ce grand royaume. Fils, je vais te léguer un royaume. Apprête-toi pour ces jours. D'accord, papa. S'opposer au roi en public, c'est une mauvaise décision. Le roi est si puissant pour réduire ses ennemis. Quelqu'un doit le regarder dans les yeux et lui dire la vérité. Lui dire la vérité, c'est la bonne chose à faire. Mais il y a d'autres moyens par lesquels tu peux aussi le faire. J'ai fait ce qui était juste en me levant pour mon peuple. Ouais. Je vous salue, Monseigneur. Vous êtes voulu par le roi au coin du village Ouanyoukou cet après-midi. Et pourquoi à Ouanyoukou et non dans son palais? Désolé, il ne me l'a pas dit. Mais il a décidé d'accomplir votre désir de festival. Que les dieux soient loués. Finalement, le roi est revenu à ses raisons. Dis au roi que j'honorerai son invitation. Merci, monseigneur. Votre Majesté. Oui. Tout se passe comme nous l'avons planifié. Formidable. Oui. C'est bien. Bien. Nos gardes ont déjà pris la position avantageuse. Une fois qu'ils vont voir Jidofo, au coin de Jidowara, ils vont lui ôter la vie, systématiquement. Et personne n'aura la trace de ce qui s'est passé. Félicitations, Kano. Merci. Félicitations. Merci, Votre Majesté. Bien joué. Cela servira de leçon aux traites de ce trône venant de Nuoko. Oui. Ça sera une leçon pour les autres. Ah oui. Votre Majesté. Comment c'était passé? Comment? Chief Jidofo n'est pas venu. Quoi? Kalo. Votre Comment Majesté. Est-ce possible? Hein? Votre Majesté, je pense bien qu'il y a une personne qui connaît très bien nos plans. Mais comment est-ce possible? Notre espion à Umori nous a dit qu'il l'a vu entrer dans la maison de Chief Jidofo. Qui? Hey. Chief Madoka. Hein? Kalo. Mets la main sur lui où qu'il soit.
Je veux sa tête, ses mains, ses pieds. Comme des preuves de son élimination. Oui. Oui, votre majesté. Oui. Allons-y. Et que ça saute. Deoji. On ne peut pas faire confiance à Adeoé. Et pourtant, j'avais eu le pressentiment. Comment aurais-je pu être si stupide pour avoir fait confiance à ce bâtard? Maltraités. Ils font souffrir notre peuple et voilà qu'ils ont tué notre fils. Un fils de Umuri. Hein? N'est-ce pas clair que nous ne faisons pas partie de ce royaume? Hein? N'est-ce pas clair qu'on nous maltraite plus que les esclaves? Hein? Et je ne vois aucune raison pour laquelle nous devons prêter allégeance au roi. Aucun roi a raison. Nos intérêts ne sont plus protégés dans ce royaume. Et nous ne pouvons plus continuer à être des esclaves dans notre propre royaume. Je suggère que nous, le peuple d'Umuri, prenions notre indépendance. Non, le roi va considérer cela comme une rébellion et va nous déclarer la guerre. Je me fiche de ce que le roi pense. Écoutez, nous sommes des grands cultivateurs, oui. Mais nous ne sommes pas exactement des guerriers. Mais nous avons assez d'argent pour recruter les guerriers de très loin d'Abama. Je sais que le roi est un ivrogne et il ne fera rien du tout. Il ne va même pas oser ou essayer d'attaquer s'il apprend que nous sommes protégés par les guerriers d'Abama. Si nous décidons d'être un royaume indépendant, alors il nous faut un roi. Qui sera notre roi? Qui? Didéofo, tu connais notre coutume et notre tradition. Et tu viens d'une famille noble. Et tu t'es levé pour protéger le peuple de Umuri des abus d'un roi ivrogne. Udéofo, sois notre roi. Oui, Okewa a encore raison. Chidofo, tu es le protecteur du Mouri. Et il n'y a pas meilleur homme pour être notre roi dans ce royaume, à part toi. Donc tu dois être notre roi. Les anciens, ai-je bien parlé? Oui. Oui. Maman, Donc, il se fait maintenant appeler roi. Oui. Je détruirai quiconque se tiendra sur mon chemin. Rien ne m'arrêtera de détruire quiconque se tiendra sur mon chemin. Votre Majesté, je suis derrière toi. Je suis derrière toi. Par ailleurs, Calon. Votre Majesté. Pourquoi veux-tu que je lui parle en premier? C'est parce que je veux qu'on résolve ces problèmes d'une façon diplomatique. Et que nous puissions le voir d'une vue diplomatique premièrement. Et si ça échoue, Votre Majesté, alors nous allons le régler par la force. Va au Mouri. Dis à Jidofo d'arrêter de se faire appeler roi.
et de renoncer à tout titre qui lui a été donné. Et demander pardon. Hé, toi, viens. Accompagne-le. Qui êtes-vous? Nous sommes envoyés par lui. Le roi, il nous a envoyé avec un message pour Tudorfo. Votre Majesté. Où est soudain le messager? Parle! Tu es devenu muet? Votre Majesté, le messager a été captivé. Votre Majesté. Ceci est un acte de guerre. Oui. Convoque le conseil de guerre immédiatement. Mon roi, les rumeurs disent que ces guerriers qui nous ont attaqués sont des guerriers d'Abama. Quoi? Est-ce que tu as dit les guerriers d'Abama? Oui, on a où? Si ceci est vrai, votre majesté, alors nous n'avons pas d'autre option que celui d'accepter leur indépendance. Kolibé. 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 Kolibé, c'est toi que j'appelais. C'est toi que j'appelais. N'est-ce pas que je t'ai déjà interdit de me suivre? J'ai remarqué que tu m'évites. Pour l'amour du ciel, tu es ma fiancée. Et bientôt, nous allons nous marier. Ne penses-tu pas que, comme des gens qui vont bientôt se marier, nous devons passer du temps ensemble? Je ne me marierai jamais avec toi. Je n'étais jamais là quand mon père avait fait une telle promesse. Ah, est-ce que tu essaies de dire que ton père est un menteur? Golibé, je t'aime. Et je vais t'épouser. Tu penses que je ne connais pas tes plans? Ton plus grand désir est de devenir le roi quand mon père mourra. Cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Écoute, je ne vais jamais me marier avec toi. Plus tôt tu comprendras cela, et mieux ça sera. Golibé, n'appelle pas mon nom. Igwe, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces 10 dernières années, nous n'avons pas connu de bonnes semences. Nos champs tendent vers la disparition. On ne sait plus quoi manger. Qu'est-ce qui ne va pas? Ijemba. Le roi connaît tout ça. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il y a de la nourriture en abondance à Oumuri. On n'aurait pas dû les laisser partir. Bien sûr. Personne ne les a laissés partir. Ils ont décidé eux-mêmes de partir. Puisqu'ils étaient traités avec injustice. Que cela soit la dernière fois, j'entendrai ce nom, Omori, dans ce palais. Si tu le prononces, ou quelqu'un d'autre le fait, j'aurai la tête de cette personne dans le plat pour le petit déjeuner. Igwe. Le puissant. Pourquoi les dieux sont fâchés contre nous? Nous avons fait tous les sacrifices qui nous ont été demandés. Et toujours les dieux refusent de nous donner de la pluie. Pourquoi ils sont toujours en colère contre nous? Mon peuple souffre.
Votre Majesté, les dieux sont énormément en colère. La colère des dieux est tellement puissante, tellement forte et intense. Vous pouvez même la sentir. Mais si je peux demander le puissant, reste-t-il un autre sacrifice qu'on doit leur offrir mais qui n'a pas été fait? Au moins pour apaiser la colère des dieux. Umuri et Obiago, eux deux forment le royaume de Bodoni. Sans l'un, l'autre ne peut pas survivre. Mais le peuple de Umuri est parti. Parti pour ne plus revenir. Alors trouvez un moyen de les ramener. Jamais. Je ne le ferai pas. Jamais, le puissant. L'heure est venue où le prince promis sera couronné roi. Non. Maman lélé lélé lélé. Aïe lélé lélé lélé. Kayibélé noudo. Oudo. Maman lélé lélé lélé. Regarde, nous ne devions pas quitter le royaume d'Obodjo. Oui, il nous avait fallu avoir une autre idée avant de quitter ce Akobilo, royaume. Akobilo, de quoi es-tu en train de parler? Ah ah, pendant que tu connais très bien les circonstances qui ont conduit à notre sortie, tu ne le sais pas. Mais maintenant dis-moi, est-ce que les choses sont meilleures? Je te demande, qu'est-ce qui s'est amélioré? Regarde le... Regarde, Akobilo, je suis d'accord avec toi. Oh oh. Oui. Hier, on m'a appris que les guerriers d'Abama ont violé une jeune servante. On a amené les dossiers au palais et le roi n'a rien fait à propos. Eh oh. Juste comme ça. Ah ah. Il semble qu'il n'arrive même pas à contrôler ses chiens d'attaque. Pourquoi passerais-tu un jugement basé sur une seule facette de l'histoire? Tu es en train de dire tout ça parce que le prince Ilota est ton ami. Tu le supportes pour rien. Quand nous étions dans le royaume d'Iobothuri, il ne volait que nos ignames, il ne violait pas nos femmes. Donc, les gars, c'est ici que vous êtes. Je vous cherchais partout. Mon prince. Mon prince. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon prince, tu es mon ami. Et je sais que tu as un très bon cœur. Hein? Mais je ne sais pas pour combien de temps je veux te couvrir, toi et ton père. Hier, une jeune vierge de Umuri a été violée par le guerrier d'Abame. Hein? Et le roi n'a rien fait à propos de ça. Et les gens ont commencé à dire qu'ils étaient très bien avec le roi Izedo. Je comprends ce que tu ressens. Et je comprends ce que toute la communauté ressent à ce sujet. Mais toi et les autres devaient savoir que je n'ai jamais cautionné la politique de mon père. Quant à ce qui concerne les guerriers d'Abame, il est regrettable que nous ne puissions rien y faire. Ils sont employés pour protéger nos frontières contre une invasion du roi Ezendo. Tu comprends? Quel est ce son? Ça provient d'où? Je peux l'entendre. Mon prince, chaque fois que tu vas l'entendre, ça veut dire qu'une chose terrible s'est passée dans le royaume. Oui. Abeta, retourne au palais. On se verra après. D'accord, mon prince. Okewa est un fils natif de notre terre Umuri. Il avait toujours protégé l'intérêt de notre terre. Maintenant, il a été emporté par notre ennemi premier, la mort. Et étant quelqu'un qui avait le titre le plus élevé de notre terre, il sera enterré avec trois vierges qui le serviront dans l'au-delà. Père, je ne vois pas pourquoi cet homme doit être enterré avec trois filles. Ça n'a pas de sens pour moi. Okewa était un homme de titre qui doit être enterré avec trois vierges. Et c'est ce que demandent nos coutumes et traditions. Père, si je me rappelle très bien, c'est à cause de la même tradition qu'on s'est dissocié de l'autre royaume. Comment se fait-il que nous continuions à la pratiquer? Fils, voici ce qui se passe. Les vierges ne viendront pas de ce royaume.
elles seront kidnappées des royaumes voisins. Ça n'a toujours aucun sens pour moi. Ça n'a aucun sens pour moi. Parce que ces jeunes filles sont des enfants des gens. Assez. C'est assez tout ceci. Tu vois, quelquefois, j'ai l'impression comme je n'ai pas de fils. Maintenant, écoute. Okewan doit être enterré avec 3 vierges. Un point, c'est tout. Très bien. Et fais comme tu veux, père. Idjaouri, suis ce garçon. Il ne fait qu'agir comme une femme. Les garçons ont raison. Tu t'es complètement transformé. Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? Est-ce à dire que vous n'avez pas de regard pour nos coutumes et traditions? Hein? Ça fait 4 jours déjà. Et je n'ai toujours pas les 3 vierges exigées pour l'enterrement des Ekanwa. Sa Majesté, nous faisons de notre mieux. Ochagé, votre mieux n'est pas suffisant. Écoute-moi. Je veux ces vierges avant le coucher du soleil aujourd'hui. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, votre Majesté, je ferai exactement comme vous l'avez dit. Tu peux aller. Odo. Maman, lélélélélélé. Aïe, lélélélélé. Caribélé, Odo. Je t'ai dit à maintes reprises que je n'aime pas être suivi. Le roi ton père m'a donné cette instruction de ne jamais te perdre de ma vue. Dis-moi combien est-ce que mon père t'a payé pour que je te paye le double, pour que tu t'en ailles et tu me laisses en paix. Je te promets, il n'en sera rien. Ma princesse, quel que soit le montant que tu veux me payer, ce ne sera pas suffisant pour acheter une nouvelle tête. Quand ton père va couper celle-ci, pour lui avoir désobéi. Où vas-tu, ma princesse? Je vais me soulager. Ou tu veux aussi me suivre dans la brousse pour voir ma nudité? Je suis désolé, ma princesse. Koulibé, je sais que tu ne veux pas te soulager. Alors dis-moi, c'est pourquoi? Je ne veux juste pas que ce garçon nous suive comme il le fait partout. Il y a un autre chemin, n'allons pas là. Ah, Koulibé, je n'apprécie pas cette idée. Je n'en veux pas. Chut! Arrête de te plaindre. Allez, allez, suis-moi. Suis-moi, viens. Koulibé, mais pourquoi tu fais ça? Hein? Les gardes seraient inquiets. Ah, il n'a qu'à arrêter de me suivre comme ça, comme si j'étais une enfant gâtée. Koulibé, tu es une princesse, une personne importante dans ce village. Mm-hmm. Hein? Pour moi, je suis n'importe qui. Au fait, je suis comme tout le monde. Ah, tu n'es pas n'importe qui. Même si tu penses l'être, ce n'est pas ça. Ces hommes ne ressemblent pas à ceux de mon royaume. Pas du tout. D'où viennent-ils? Ce sont les filles de Obiago. Les saisir pourrait être dangereux et pourrait nous amener à la guerre. Écoute, nous allons les saisir. Personne ne peut nous voir. J'espère qu'ils viennent en paix. J'espère bien aussi. Ici. Tu es censé être avec les filles. Ne te dérange pas, je les ai attachées. Ok, ok. Oui, mais
il y a quelque chose d'étrange là-dessus. Quoi, quoi? Elles ont l'air des filles d'une famille royale. Cela ne me regarde pas. Écoute, famille royale ou pas, ce ne sont pas nos affaires. Nous allons les enlever tout ce qu'ils font, qu'elles puissent ressembler aux membres de la famille royale. Comme ça, le roi ne va pas les reconnaître. Tu me comprends? Tu comprends? C'est bon. Très bien alors. Ça ne nous regarde pas. Votre Majesté, nous l'avons trouvé. Vous l'avez trouvé? Oui, Majesté. Il est dehors. Amenez-le. Très bien. Garde, amenez-le. Où est ma fille? Parle! Votre Majesté, elle m'a dit qu'elle voulait se soulager dans la forêt. Hein? Je l'ai cherchée, mais je n'ai pas pu la trouver. Quoi? Amenez-le d'ici. Enfermez-le. Assurez-vous qu'il ne mange ni ne boit. Amenez-le d'ici. Bien reçu, Majesté. Allez, amenez-le. Amenez-le. Maman, lé. Aïe, lé. Caillebelé. Demain, vous serez enterré avec un grand homme. Et je veux que vous le considériez comme un grand honneur d'être à son service dans l'au-delà. Mon prince. Oui, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Peux-tu m'excuser? À vos ordres, mon prince. Toi. Comment t'appelles-tu? Oui, toi. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Golibé. Owasi Igwe. Je ne sais pas où. J'avais déjà entendu ce nom. Mais ça me dit quelque chose. D'où viens-tu? Je suis d'Obiagu, du royaume d'Okpochiri. Je suis le seul enfant du roi Izundu. Owasi Igwe. S'il vous plaît, laissez les autres partir. Je suis celle dont vous avez besoin. Elles n'ont rien fait de mal. Chut! Viens. Regarde, écoute, si tu veux quitter cet endroit vivante, ne fais savoir à personne que tu es la fille du roi Zundo. Est-ce que tu me comprends? S'il te plaît. S'il vous plaît, aidez-nous. Je verrai ce que je peux faire. Vas-y, va à ta place. S'il te plaît. Garde, prends soin d'elle, ok? Ok, mon prince. Père, s'il te plaît, elles sont juste des jeunes filles. Elles ne méritent pas d'être tuées.
Notana, ça c'est notre tradition. Un homme de titre doit être enterré avec trois jeunes filles. Je ne peux pas le changer du jour au lendemain. Mais père, regarde ça toi-même. Cette tradition qui autorise que les jeunes filles soient tuées est barbarique et cela doit s'arrêter. Comment oses-tu parler mal de la tradition de nos ancêtres? As-tu perdu la mémoire? Bien, père, je garde toujours ma position. Toute tradition qui autorise l'élimination de jeunes filles n'est pas bonne à suivre. Excuse-moi. Mon prince. Oui. Que faites-vous ici à cette heure? Somada. Mon prince. Depuis combien de temps me connais-tu? Depuis que j'ai commencé à travailler au palais. Mon prince. Bien. Et depuis que tu me connaissais, t'ai-je fait du mal? Non. Non. Vous avez toujours été bon envers moi et ma famille. Mais, au fait, mon prince, pourquoi toutes ces questions? Très bien, Sénateur. Je veux que tu m'accordes une grande faveur. Je ferai tout pour vous, mon prince. Bien. Je veux que tu ouvres cette prison et libères les filles. Non. Non, mon prince, non. Je suis désolé. Je ne peux le faire. Je peux comprendre ça. Mais je vais aussi te faire savoir que si tu ne les libères pas, demain matin, trois d'entre elles seront toutes tuées et le sang coulera sur ta tête. Tranquility. If something is wrong with the head, the body is bound to suffer. If something is wrong with the leadership, the kingdom is bound to suffer. If the people react, oh, 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 the kingdom will surely fall apart. If something is not done, oh, 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 everything, everything could go wrong. Together, for united we stand and divided we fall. Unity in diversity can defeat any adversity if we stand together. Only in unity can there be growth, progress and peace and tranquility. So who will unite the kingdom? Only the special one, the chosen one. When the time comes, as the gods promised,
it will come to pass, and the people will finally come together in peace. Peace. Udoka. Peace is good. Udoka. Let us live in peace. Udoka. In unity. Udoka. Peace and tranquility. Votre Majesté, les prisonnières sont parties. Moi ? Elles sont introuvables. Ochara, prends tes hommes les plus aguerris et poursuivez-les. D'accord, Sa Majesté. Je ne saurais plus continuer de marcher. Tu as besoin de te reposer et respirer un peu. Mon prince, ils vont nous chercher. Le plus tôt on se rapproche de la banderie, mieux ça sera pour nous. Je doute qu'ils viendront jusqu'ici. Je ne pense pas qu'ils connaissent ce chemin. Laisse-les se reposer. Je suis désolé pour tout. Désolé? Être désolé va résoudre tout ça? Mais j'essaie de te sauver. Mais tu n'aurais pas à me sauver si au départ, vous ne nous aviez pas kidnappés. Je ne t'ai pas kidnappé. Les guerriers d'Abama l'ont fait. C'était sous les ordres de ton père. Pourquoi je gaspille ma salive? Nous allons poursuivre le chemin restant de notre côté. Dis-moi que tu plaisantes. Et qu'est-ce que tu essaierais de faire? Me ramener à ton père? Je ne le pense pas. Ikema, on y va. Je suis fatiguée. Ikema, allons-nous-en. Laisse-moi placer pour nous aider. Ce n'est plus le cas. Allons-nous-en. Jeune dame, d'où viens-tu? Je suis du royaume de Nigwe. Ça va, Dino. Mon prince. Assure-toi qu'elle rentrera à la maison. Mon prince. Et alors vous? Ne t'inquiète pas pour moi, fais la rentrée. Soyez prudent, mon prince. Soyez vraiment prudent. Sa Majesté, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, mais en privé. Est-ce que cela a rapport avec les jeunes filles qui ont fui? Oui, Sa Majesté. Tu peux tout dire en présence de mes conseillers. Mon roi, un fermier m'a dit qu'il a vu les filles s'échapper. Et c'était le garde du prince, Madina, qui les a aidées. Je l'ai dit! Je l'ai dit! Oh là là! Je vais le faire pendre pour cette trahison. Mon roi, il m'a aussi dit que c'est en complicité de votre propre fils, le prince. Et? Kolibé, pourquoi tu es aussi têtu? Ces jeunes hommes ne voulaient juste nous protéger. Il est en train de nous protéger parce qu'il nous avait kidnappés. Ah, Kolibé, il essayait juste de corriger les erreurs de son père. Sûrement, il allait se passer quelque chose.
Que veux-tu dire par là? Ok, bien. Essayons de réfléchir. Regarde autour de notre royaume. Personne n'est content du roi, ton père, à cause de tous ces actes qu'il pose dans le village. En quoi est-ce que c'est la responsabilité de mon père d'apporter la pluie? Ou d'empêcher les gens d'Oumoumoué qui apportent de la nourriture à notre royaume de se séparer de nous? Comment ça peut être sa responsabilité? Golibé, 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 tu ne comprends pas toujours. Les gens ont dû quitter à cause de l'arrogance de ton père. Il les a maltraités. Golibé, nos peuples ne haïssent pas les gens du village de Moutou comme tu le penses. Les conflits juste entre les deux rois et puis c'est ça. Golibé, Golibé! Il ne fait pas du mal, pardon. Tu vas bien? Ça va? Tu vas bien? Ça va. Merci. Je t'en prie. Allons-y, allons-y, allons-y. Merci. Allons-y. Udo. Maman, lé, 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 lé. Aïe, lé, 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 lé. Caribé, lé, Udo. Maman, lé, lé, lé. Lé, 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 lé. Aïe, lé, 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 lé. Voici jusqu'où je peux vous conduire. Avant que les guerriers de Obiago ne me perçoivent. Merci beaucoup. Que le Dieu te récompense. Je vous en prie. Merci. Si la réponse à ma proposition est oui, j'aimerais te voir ici au prochain jeu du marché de quai. Où est mon fils? Parle! Je ne sais pas, mon roi. Vous avez quitté ensemble. Et que veux-tu dire par tu ne sais pas? Il était parti avec deux filles. Et moi, j'étais parti avec l'une d'autre. Selon ses ordres, Igwe. Pour la dernière fois, où est mon fils? Parle! Où est mon fils? Père, me voici. Le fait d'être mon fils ne te met pas à l'abri de la punition. Je suis désolé, père. Il n'y a aucun moyen que je t'aurais permis de tuer cette jeune fille innocente pour rien. Laissez-nous seuls. Que chacun ici laisse moi et mon fils seuls. Tiens ça. Viens. Viens, mon fils. Viens m'embrasser. Père, je pensais que tu étais en colère contre moi. On m'a dit que tu as tout seul tué les guerriers de Abame. Oui, père, ils essaient de violer les jeunes filles. Donc je les ai tuées. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est maintenant que je reconnais que je n'ai pas engendré une femme. Merci, père. Wow. Mais je suis toujours désolé de t'avoir désobéi. S'il te plaît, pardonne-moi, père.
tuer ces innocentes vierges aurait été une grave erreur que je regretterai toute ma vie. Et pour le guerrier de Abamé, ceci est un bon débarras pour eux. Père, je n'essaie pas de vous suggérer comment gouverner, mais si les guerriers d'Abama sont devenus une menace pour notre peuple, je pense qu'il est de ton devoir de leur demander de quitter. S'ils partent, il n'y aura plus personne pour nous protéger contre nos ennemis qui voudraient envahir notre royaume. Viens mon fils, viens, viens. Je suis très content pour toi. Tu fais maintenant ma fierté. Golibé, ma chère fille, tu m'as vraiment fait peur. J'ai envoyé les meilleurs de mes gardes d'aller à ta recherche. Quand ils sont revenus sans te voir, ma chère, j'avais peur que tu es peut-être morte ou peut-être kidnappée par le peuple de Oumoré. Père, je vous avais déjà dit que je m'étais perdue dans la forêt et que j'ai été sauvée par un chasseur. Pourquoi le peuple d'Ounoumou me kidnapperait? Ma chère fille, ils sont des ennemis. Ils sont nos ennemis. Mais remercions les dieux qu'on ne t'a pas kidnappé. Je me rappelle quand j'étais enfant, tu m'avais dit une fois que Ounoumoué et Obiago sont les deux piliers qui maintiennent le royaume de Koupoué. Et donc l'un ne peut pas tenir sans l'autre. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Golibé, tu es ma fille. Et je ne peux rien te cacher. Je dois te dire la vérité. C'est de ma faute. C'est de ma faute. J'étais très dur avec eux à cause de Djidofo, qui est actuellement leur roi. Djidofo faisait tout pour défier mon autorité en tant que roi. Cela veut dire que toi, tu n'as pas de problème avec le peuple d'Ounoumoué. Toi, tu n'as de problème qu'avec le roi Odofo. Tutana. J'ai perdu presque tout espoir que tu viennes. J'ai réfléchi sur ta demande. Et je l'accepte. J'accepte de me marier à toi. Merci beaucoup. Merci. Le Tan. Dis à ton père ce que tu m'as dit cet après-midi. Père, j'ai vu une jeune fille que je vais épouser. Père, j'ai rencontré un homme que je veux épouser. Un homme que tu veux épouser? Mais tu as été donné à Wamboisé, le fils de Galo, n'est-ce pas? Mais père, personne ne m'a été donné. Mon fils, je suis vraiment content de toi. Tu vois, tu es âgé. Et ce que tu veux n'est pas irrecevable. Bien, j'accepterai tout homme que tu veux épouser. Tant que tu l'aimes et qu'il va te rendre heureuse. Mais si je peux demander, qui est cet homme qui a volé le cœur de ma jolie fille?
père, permettez que ce soit encore un petit secret jusqu'au jour où vous rencontrez cet homme. Un secret. Alors, qui est cette jeune fille chanceuse qui a volé le cœur de mon fils? Père, je plaiderai que ça reste notre petit secret pour l'instant, jusqu'à ce que tu la rencontres. Petit secret. Alors, quand allons-nous la voir, du moins pour faire le premier pas du mariage? Le prochain jour du marché, donc quoi? Sera le jour approprié, père. Tu t'attends à ce que, moi, en tant que roi, je vais là-bas laisser mon royaume pour le rencontrer. Au prochain jour du marché de Ngwa. Ai-je raison? Oui, papa. Ma fille, c'est très difficile que le roi quitte son royaume pour aller rencontrer le partenaire de sa fille. C'est très difficile. Papa, je ne vous ai jamais demandé quoi que ce soit avant. Je vous en prie, faites-moi cette faveur, pour une fois. Je vous en prie. Tu as raison. Ça va. Je ferai tout ce qui te rendra heureuse. Merci, père. Merci beaucoup. Je t'en prie. Honorou de ce royaume. Le roi m'a donné sa parole que je vais épouser la princesse. Fils, calme-toi. Tu dois te calmer. Calme-toi, j'ai toutes choses sous contrôle. Papa, tu ne comprends pas. Mais pourquoi tu me demandes de me calmer? Pourquoi me demandes-tu de me calmer? Parce que demain Golibé aura un autre mari. Et tu me demandes de me calmer. Comment deviendras-je le roi si je ne l'épouse pas? Je t'ai donné ma parole que je vais te léguer un royaume pour régner. Papa, dis-moi comment tu vas le faire. Dis-moi, comment vas-tu faire ça si je n'ai pas la bénédiction du roi pour épouser sa fille? Regarde, le roi ne constitue plus un problème. Même plus la princesse. Juste regarde ma prise du pouvoir du royaume. Lutena, tu as refusé de me donner le nom de la jeune fille et le village d'où elle vient. Père, tu le sauras dans peu de temps. Tu peux me croire sur ça. Attente, prends trop de temps. Je suis désolée, papa. Je crois que bientôt ils seront là. Ah, ils sont là. Pourquoi m'as-tu amené chez ce traître? Si je suis un traître, toi tu es un meurtrier. Père, assez pour tout cela. Le tenant, tu as laissé toutes les belles filles de Oumoré et choisi celle-ci. Juste pour m'espionner? Père, je l'ai choisi parce que je l'aime. Mais au lieu de rester ici, se menacer, insulter l'un et l'autre, pourquoi ne cherchez-vous pas tous les deux de régler ceci à l'amiable, dans l'intérêt des peuples que vous dites diriger? Je pense qu'on doit le laisser parler. Tu as quitté le royaume. Et pourquoi as-tu tué Madoka? Vous avez tous les deux comploté de me renverser. Voilà la raison. Je n'ai pas planifié de te détrôner. Tudofo. Tu as toujours voulu être un roi. Raison pour laquelle tu as quitté
pour être sûr de devenir roi. N'est-ce pas? Le peuple de Umuri a quitté parce que tu ne les as jamais traités avec respect. Et j'espère que les guerriers d'Abame vous protègent très bien. Et j'espère également que tu as assez de nourriture pour nourrir ton peuple. Tidorfo, que veux-tu? Est-ce que c'est vrai ce que tu avais dit là-bas, que tu m'aimais? Oui. Je me retrouve à beaucoup penser à toi depuis que je t'ai rencontré. Je t'aime. Je sais que tu ne fais pas ça par amour, mais... Hey! Moi aussi, je ressens la même chose. Tu m'aimes? Oh oui. Je t'aime. Nous avons tous deux décidé de laisser nos différends derrière nous, dans l'intérêt de nos peuples. Ouais. Et nous, le peuple de Umuri, allons pourvoir au peuple de Oudagu la nourriture et d'autres produits agricoles. Et ça ne s'arrête pas là. Nous allons protéger le peuple de Umuri contre les guerriers d'Abame. Et puis... toi, tu épouseras ma fille. Hein? Et ensemble, en tant que roi et reine, vous devez réunir les deux royaumes. Elle régnera avec toi comme roi et tu régneras avec elle comme reine. Oh, merci beaucoup, papa. Merci. Je t'en prie, ma chère fille. Merci. Ah, ah. Yeah. Assez, assez. Oui, maintenant, nous allons retourner à Obiago et se préparer pour le grand mariage de... maman. Merci, mon cher. Merci, merci. Merci beaucoup. De goût. Dis d'enfant. De goût. Je suis très fier de toi. Merci, père. Tu as fait un effort pour unir les deux royaumes divisés. Une fois encore, je suis très fier de toi. Merci, père. Et je sais que tu feras un bon royaume un jour. Merci, père. De rien, mon fils. Merci beaucoup pour tes aimables paroles envers moi. Ah! 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 Ah. Otraya, ceci doit être un piège du roi Ozero. Assure-toi de ramener mon père à la maison. Amène le chien Zomenka. Dis-lui que j'ai dit qu'il doit faire tout son possible. Même si cela va lui coûter toutes les herbes dans le pot. De redonner mon père son état de santé. Tu m'as entendu? Oui, mon prince. Donne-moi cette épée. Donne-moi. C'est un piège du roi Ezondo. Je dois aller l'affronter. Assure-toi d'emmener mon père chez Ezomega. Tu m'as entendu? Oui, mon prince. Mon roi, tenez bon. L'as-tu vu? Non. Viens m'aider, viens. Dépêche-toi, viens m'aider. Je suis mon chemin. Laissez-moi. Laissez-moi passer. Laissez-moi garde. Passer. Laissez-le. Laissez-moi aller. Alors quel est le problème? Pourquoi voulez-vous la mort de mon père? Pourquoi?
De quoi parles-tu? Que s'est-il passé? Alors que nous quittons la réunion, quelqu'un tirait sur mon père. Je suis sûr que vous savez. Je suis sûr que vous savez qui est la personne. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et je jure au nom des dieux, ce n'était pas moi. Sinon, pourquoi vais-je saboter la relation entre nous et Omoré que je désire et chérir énormément? Pourquoi devrais-je faire ça, Votre Majesté, si ce n'est pas vous? Alors c'est qui? Qui? Qui est la personne qui veut la mort de mon père? Ça pourrait être quelqu'un. Ou certains qui ne veulent pas voir Omoré se réconcilier avec nous. Ou quelqu'un qui ne veut pas que tu épouses ma fille. Votre Majesté, vous allez bien? Oui, je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Votre Majesté! Votre Majesté! Votre Majesté! Votre Majesté! Votre Majesté! Votre Majesté, il faut me parler. Votre Majesté! Votre Majesté! Votre Majesté, ça va? Lotana, qu'est-ce qui se passe? Tu as tué le roi? Non, 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 je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Alors quoi? Je ne sais pas, son vin. Je pense qu'il a été empoisonné, quelque chose du genre. Tu l'as empoisonné? Non, non, je n'ai rien fait. Tu as tué le roi. Je n'ai rien fait. Tu as tué le roi. Garde! Arrêtez-le. Non, non, je n'ai rien fait. Emmenez-le vite. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien donné. Je ne lui ai rien fait. Laissez-moi paix. Je n'ai rien fait. Essaye de me comprendre, non? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Arrêtez de me traîner. Ce n'est pas moi. Le roi est mort. Quoi? Il a empoisonné le roi. Non, non, je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. Je suis sûr que quelqu'un d'autre l'a empoisonné et non moi. Comment puis-je croire? Dis-le-moi tout de suite. Un peu plus tôt, quelqu'un a tiré sur mon père. C'est la raison qui m'a fait venir au palais en premier lieu. Je suis sûr que la même personne qui veut la mort de mon père est celui-là qui est derrière la mort du roi. S'il vous plaît, croyez-moi. À présent, vous allez chercher princesse n'importe où elle se trouve. Parce que je suis sûr que sa vie n'est pas épargnée. Amenez-le maintenant. Failli me violer. Je n'en sais rien, ma princesse. Il faut que tu me ramènes au moins au palais. Non, je ne peux pas t'amener au palais maintenant. Et pourquoi pas? Mon père, le roi, doit entendre parler de ça immédiatement. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Je ne sais pas comment te le dire, ma princesse. Me dire quoi? Le roi est mort. Il a été empoisonné. Sûrement la personne qui l'a empoisonné a attaqué le père d'Otana. Et ils sont maintenant après toi. Je vais prendre soin de toi. Est-ce que tu as compris maintenant? Cette case appartient à ma grand-mère. Il n'y a pas tellement du confort, mais tu y seras en sécurité. Entre dans cette case.
et verrouille la porte derrière toi. Je dois aller voir quelqu'un maintenant. Ne sors pas de là et n'ouvre cette porte à personne d'autre qu'à moi. Ok? Entre-y. C'est étrange de voir que l'écuyer du roi prend fuite le jour de sa mort. Je jure, je ne savais pas que le vin était empoisonné, je jure. Qui a dit quoi que ce soit par rapport au poison? C'est bien. Maintenant que nous parlons du poison, qui a empoisonné sa boisson? Je ne sais pas. Qui t'avait donné la boisson? Qui t'avait donné la boisson? Oh, s'il te plaît, oh. Aie pitié de moi. Aie pitié. Aie pitié, oh. Aie pitié. Pourquoi tu quittes le village? Ce n'est pas moi. C'est Onowu. C'est lui qui m'avait demandé de le faire. Sinon, il va me tuer. Je ne veux pas de choix. Aie pitié. Oh, mon Dieu. Donc tu as tué le roi du Dofo. Tu as tué le roi Isudou et la princesse. Et tout le monde suspecte le royaume d'Omori. Fils, je t'avais dit de ne pas te soucier du roi ni la princesse. Ils ont été emportés par un simple mouvement du maître. Oui, le royaume est maintenant à nous pour toujours. Papa, tu es le contre-maître. Tu es le maître planificateur. Hey, je ne veux plus jamais douter de tout ce que tu dis encore. Comme tu deviens le roi, je vais automatiquement devenir le prince. Pourquoi pas, oui. Tu vas devenir le prince. Et certainement, un jour, tu vas devenir le roi du royaume d'Omori. Souviens-toi que je t'ai dit que je vais te donner un royaume où tu vas gouverner. Oui, oui, tu l'as dit, père. L'œil des dieux. Je ne sais pas ce qui te retient pour faire de moi le roi. Pourquoi? Tu sais que notre roi est mort. Et notre héritière au trône, princesse Golibé, est morte. Regarde, ce royaume a besoin d'un roi. Leur patience est à bout. Ils veulent un roi. Et moi, comme les Onowu de ces grands royaumes, je suis le seul qui mérite d'être fait le roi. Alors s'il te plaît, décide-toi et fais de moi le roi. Les dieux n'ont pas encore parlé. L'œil des dieux. Mais les anciens du conseil se sont décidés que je devienne le roi. Regarde, je le répète encore. Ces royaumes ne peuvent plus attendre. Ils ne peuvent plus attendre. Alors si tu ne peux pas le faire, pour être court, viens demain au palais à midi et fais ce qui doit être fait. Sinon, je le ferai moi-même. Aro, tout fier quoi. Tu ne peux pas faire une telle chose. Aro, tu ne peux pas faire une telle chose. Observe-moi. Observe-moi. Ne défie pas les dieux. Ne défie pas les dieux, Aro. Ne défie pas les dieux. Il est déjà 12h, mais le grand prêtre n'est pas présent. Mettons ça un autre jour pour que le grand prêtre fasse les rituels. On n'en a pas besoin. Oui, on n'en a pas besoin. Nous tous ici avons déjà décidé. Oui.
nous avons décidé de commun accord que Kalo, qui est le premier ministre, soit couronné le roi. Nous n'avons pas à attendre le grand prêtre. Allons-y, couronnons-le et appelons le roi. Lorsque le prêtre sera prêt, il pourra venir pour les formalités. Cela n'a jamais été fait dans ces royaumes. Il y a toujours une première fois pour toute chose. Très bien alors, Ijem. Puisque tu as l'air d'en savoir plus, pourquoi ne pas le faire alors? Bien. Je ne sais pas trop à propos, mais je vais le faire. Kalo, lève-toi. D'accord. Jures-tu devant les dieux de protéger les lois de cette terre? Je les jure. Jures-tu de protéger le royaume de Bocelli et aussi le servir le mieux que tu pourras? Je les jure. Je te couronne aujourd'hui, Igwe Oiribe, du royaume de Bocelli. Allégeance au roi. Igwe. Merci. Oui. Igwe. Maintenant, mon premier devoir, c'est de tuer ces traîtres de Umori. Pour avoir empoisonné notre roi, Lotana. Tu as été accusé d'avoir empoisonné notre roi, le roi Isendo, et pour avoir tué notre princesse, princesse Golibe. Que plaides-tu? Mes mains sont propres, je ne suis pas coupable. Quoi? Juste imaginez, j'étais là. Et j'ai vu toute chose. Mais père, ça aurait pu être n'importe qui. Ça pourrait être même toi. Oui, mes mains sont propres. Bien. Moi, Kalo Onyeribe, le roi du royaume de Bocere, je te donne comme sentence la mort. Pour avoir empoisonné notre roi et tué notre princesse. Je suis plus vivante que jamais. Tu pensais que j'étais morte. Ton plan avait presque marché. Je mérite du respect. Je suis maintenant le roi. Tu crois que la couronne sur ta tête fait de toi un roi? Nous verrons ça. Chers anciens, Lotana ici présent est innocent de toute accusation qui ont été portées contre lui. En vérité, il n'est qu'une victime, tout comme moi aussi j'en suis une. L'homme qui a envoyé une personne pour tuer mon père est le même qui a commandité l'assassinat du père de Lotana et du mien. Alors, qui est le meurtrier? Le meurtrier n'est personne d'autre que Kalo ici présent. Mensonge! Mensonge! Kalo! Mensonge! Vous savez tous combien j'aime notre roi. Tu as toujours voulu être roi. Malheureusement, personne ici ne peut prouver que j'ai tué notre roi. Si vous avez la preuve, montrez-la. Moi, j'ai des preuves. Je suis l'écuyer du roi. Je suis chargé d'offrir la boisson au roi. Ces jours-là, Onowukao, ici présent, m'avait remis une bouteille de vin de palme et m'avait demandé de le servir au roi. Sinon, il va faire disparaître ma famille et moi. Je jure devant les dieux, je n'ai jamais su que la boisson était empoisonnée. Mensonge! Mensonge! Garde!
Je vous commande d'arrêter la princesse et cet homme. Faites vite pour avoir menti contre leur roi. Je ne ferai pas ça. Je suis ton roi. Je ne pense pas. Moi, Kolibé, princesse du royaume d'Okpokiri, te condamne à la sentence de mort pour le meurtre de mon père. S'il te plaît, princesse. Emmenez-le. Souviens-toi que j'ai toujours pris soin de toi depuis que j'étais enfant. Souviens-toi que j'ai toujours pris soin de toi. Qu'il parte. Princesse, souviens-toi. Princesse. Franchement. Princesse. Mon fils. Oui, père. Je suis très fier de toi. Tu seras un bon roi. Après moi. N'oublie pas ton origine. S'il te plaît. Prends bien soin de ta mère. Je le ferai. Et aussi, essaie d'unifier les deux royaumes. Obiago et Omori. Père, je sais qu'ils sont les deux piliers qui tiennent debout le royaume de Kwasha. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre. Je ferai de mon mieux pour m'assurer que ça s'améliore. Je viens vers vous une fois de plus. Roi Otana, notre Igwe, le premier du royaume de Bocelli. Gloire au roi Igwe. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ce jour est un grand jour. Ma reine et moi, nous voulons vous assurer qu'il y a un nouveau fait dans notre communauté. La paix pour laquelle nous avons été connus, les Obiago et les Omori, est de retour. Et cette fois-ci, elle s'étendra au-delà de nos frontières. Et les gens comprendront en réalité et pour de vrai que nous sommes le symbole de la paix. Ndiche, soyez heureux. Je dois faire vite ici afin que nous puissions aller à la place publique pour rejoindre toute la communauté. Vous pouvez entendre les chants. Notre roi. Kaili Bibé. Notre roi, Igwe. Igwe, Igwe. Mama lele lele lele. When a people are not satisfied and nothing is done to get things ratified, it could lead to disunity and it could take away the peace and tranquility. If something is wrong with the head, the body is bound to suffer. If something is wrong with the leadership, the kingdom is bound to suffer. If the people react, the kingdom will surely fall apart. If something is not done, everything could go wrong. Oh,
together. For united we stand, and divided we fall. Unity in diversity can defeat any adversity if we stand together. Only in unity can there be growth, progress and peace and tranquility. So who will unite the kingdom? Only the special one, the chosen one. When the time comes, as the gods promised, it will come to pass, and the people will finally come together in peace.